suis accompagnée de ma collègue Inbé Naïni, adjointe au maire, qui nous a mis un peu en relation avec Madame la consule d'Orly pour faire connaissance et avoir tout de suite une idée de partenariat, de collaboration au travers de cette journée qui a été très bien rappelée par Madame comme une journée de joie et une journée de victoire plutôt qu'une journée de lutte, même s'il a fallu avoir de la lutte pour avoir maintenant la victoire. La ville d'Orly est très honorée d'avoir pu vous accueillir pour cette journée qui va mettre en lumière donc des parcours particuliers de femmes et donc d'avoir ces échanges avec les différentes composantes de notre population orlysienne. J'ai reconnu quelques orlysiens dans la salle et quelques orlysiennes, donc j'en suis très honorée, très fière. Et donc je vous souhaite une très 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 bonne journée et une bonne soirée. Madame la maire, Madame la consul générale, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir répondu présent à cette commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Aujourd'hui, on va rendre hommage à des femmes exceptionnelles, au parcours unique, qui, comme toutes les femmes, ont dû se battre pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Des femmes qui font honneur à la Marocaine et à la diplomate que je suis, et qui me rendent fière de les représenter dans ce beau pays. La vérité, cette réussite ne m'étonne pas de la part de mes compatriotes. L'histoire du Maroc est pleine de femmes remarquables qui ont marqué l'histoire de l'humanité par leur courage et leur réussite particulière. En effet, la première université au monde a été construite par une femme marocaine, Fatema Khelia. Cette généreuse femme a construit un joyau architectural et y a fondé l'université Al-Farawiyyin à Fès en l'an 859. Cette université est d'ailleurs toujours en activité. L'insoumise Kahina, qui s'est opposée au 7e siècle à la dynastie Omeyyade dans sa progression pour conquérir et islamiser l'Afrique du Nord. Elle a pris la tête d'une armée d'hommes pour stopper l'avancée du général Omeyyade, Hassan ibn Amen. La belle Zineb Mefzawiya, qui s'est imposée dans les tribus berbères comme notable et chef de sa tribu. En épousant Yusuf Mutechefine, elle était son soutien et son appui pour créer la dynastie Amouravide. La glorieuse Seyda Kora, qui est considérée comme l'une des personnalités les plus influentes au monde. Elle était, à partir de 1499, gouverneure de la ville de Rouen, et ce, durant 30 ans. Plus tard, Malika Fessi, elle était la seule femme signataire du manifeste de l'indépendance, le 11 janvier 1944, et Mme Souri Echaoui, les premières femmes arabes et marocaines pilotes d'avion. Dans le monde sportif, Mme Taoukid était la première femme au monde à avoir remporté le 400 mètres et féminin. Et la première femme musulmane, africaine et arabe à remporter une médaille d'or olympique. D'autres femmes ont marqué et marqueront jamais les esprits. Je pense ici à Aïcha Chima, surnommée Mère Courage, elle est fondatrice et présidente de l'Association Solidarité Féminine pour la défense des droits de la femme. Je pense également à l'ami photographe Déa franco-marocaine décédée suite aux attentats du 15 janvier 2016 à Ouagadougou. Et bien sûr, Chahidia Talal, femme surnommée la paysanne des arts. La liste est très longue et je peux passer des heures à citer des noms. Ces succès ont valu à la femme marocaine beaucoup de jalousie de la part de ses semblables. Mais nous, femmes marocaines, courageuses, extraordinaires, uniques par notre diversité, notre loi de vie. Notre joie de vivre et notre détermination. Nous continuons d'être blessés des fois, droite, sérieuse souvent, très fière toujours. Merci pour votre attention. La pauvre unité à ces femmes, symbole de réussite de la femme marocaine, objet de notre rencontre, je dirais qu'après des décennies de lutte, les femmes marocaines ont enfin pu quitter les coulisses. Personne ne peut aujourd'hui contester l'ascension remarquable des femmes dans les centres de décision de la lutte publique au Maroc. Désormais, les femmes sont passées du pouvoir d'influence au pouvoir d'action, occupant ainsi des fonctions suprêmes. Ça veut dire qu'ils avaient toujours du pouvoir. Conseillère de Sa Majesté, ministre, parlementaire, ambassadeur, entrepreneur, chef de parti politique, toute autre fonction de prise de décision. Cette évolution est due non seulement à la volonté féminine, mais aussi à l'engagement de l'État sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mahmoud VI, que Dieu l'assiste, qui a fermement donné ses instructions pour faire de la question de la promotion du statut de la femme une des orientations stratégiques. Sa Majesté s'est exprimée dans plusieurs de ses discours dans ce sens,
Je ne cite que l'un des tout premiers où il a dit « Comment espérer assurer progrès et prospérité à une société alors que les femmes qui en constituent la moitié voient leurs droits bafoués ?» Donc c'est une citation qui marque l'esprit. Depuis cette date, le Maroc a entrepris une série de lois et réformes majeures marquant un tournant décisif dans le processus de l'évolution de la cause féminine. Si après, quelques-unes. Alors je vais les citer, soyez encore patients. Le code de la famille, que tout le monde connaît, d'ailleurs la moitié de la salle est au consulat, c'est la Moudawana. La promulgation de la loi numéro 70-03 portant code de la famille a constitué un événement historique de grande envergure, tant au niveau législatif que sur le plan social. C'est une étape cruciale dans le processus de la promotion des droits de la femme marocaine. Donc ce code, j'ai quand même développé, c'est un code qui veille à garantir l'équilibre et l'égalité dans les rapports entre hommes et femmes dans tous les domaines. Parler de la femme marocaine nécessite un temps plus lent, mais on s'en remet à l'essentiel dans des jours pareils, car le pays le plus démocratique du monde n'a pas fait assez pour la femme. Les progrès sont là, ils doivent continuer pour le bonheur de l'humanité. Toutes ces réformes précitées ont certes permis à la femme marocaine d'accéder à l'ère de la modernité, de l'équité des droits, à la gouvernance politique, ministérielle, diplomatique, institutionnelle et représentative, et malgré que la femme marocaine est présente dans tous les domaines d'activité, à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, il lui reste encore des défis à relever dans tous les secteurs. Cette rencontre est donc pour nous l'occasion de rendre hommage à ces femmes d'exception, qui, en puisant des deux cultures, marocaine et française, ont su relever ce défi. Grâce à leur sérieux et à leur persévérance, elles ont accédé avec mérite à de nombreux postes de responsabilité, tout en préservant la place qu'occupe la vie associative et familiale aux côtés de leur vie professionnelle. Elles sont venues aujourd'hui spécialement pour nous témoigner de leur expérience et de leur engagement audacieux et indéfectible des femmes marocaines qui œuvrent dans les domaines de la défense des droits de la femme, à l'ONU, des médias, de la cinématographie, de la photographie et peinture. C'est un immense plaisir que nous leur rendons hommage en cette belle occasion. C'est un réel plaisir et un honneur d'être présent au sein de cet aéropage de compétences et de talents. Je voudrais tout d'abord remercier vivement les organisatrices, mesdames Zéry et Bakhali, pour cette rencontre destinée à honorer le courage et l'énergie des femmes marocaines organisée sous l'égide de l'ambassade du Royaume du Maroc en France et en partenariat avec Madame la Mère Dori, Madame Christine Jeannodet et Chabénon. Cette rencontre nous permettra d'écouter et d'entendre les témoignages de quelques femmes mises à l'honneur et représentant différents domaines du monde politique, du cinéma, de la peinture, de la presse. Des témoignages qui ne sont cependant que l'écume d'une vague, celle de l'émancipation de la femme marocaine aujourd'hui et hier, présente à tous les niveaux dans le domaine public. Dans le monde de l'art, je voudrais rappeler le succès récent de l'exposition de l'année dernière au musée Mohamed VI de Rabat, intitulée « Femmes, artistes marocaines de la modernité, 1960-2016 », qui a restitué le formidable talent d'une trentaine d'artistes femmes qui, au gré de 120 œuvres d'art exposées, ont témoigné de la pluralité de l'art et des influences africaines et berbères de l'art au Maroc.